Et bonsoir à tous, nous sommes le jeudi c'est évidemment les 2 heures de rétro avec Métro, où nous allons donc du coup continuer ce soir Secret of Mana. J'espère que cette fois-ci, enfin normalement ce soir ne va pas y avoir de problème, j'ose espérer que la webcam et puis tout ça ne va pas bugger avec du Secret of Mana, ça serait quand même dommage. Parce que hier deux fois que Nvidia Broadcast crash, mais du coup je sais pourquoi. En fait, je me suis souvenu cet après-midi et je me suis dit, mince, en fait, je pense savoir pourquoi ça crachait. Pas à cause de l'overclock de la carte graphique, même si du coup, tout compte fait, je l'ai quand même baissé. Hein. En vrai, ça n'augmente rien, ça ne change pas grand-chose. Donc, je me suis dit, autant peut-être le baisser quand même un petit peu. J'ai peut-être été un petit peu trop vers l'avant. Et en fait, pourquoi hier ça a bugué, c'est la même façon que ça avait bugué avec Death Stranding. Sans doute parce que j'avais pas redémarré l'ordinateur avant de lancer le live. Toujours redémarrer son ordinateur avant de démarrer un live. Ça permet comme ça de tout bien remettre tout au propre. Et le truc, c'est que je ne l'avais pas fait. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que ça n'a pas arrêté de crash. Parce que, du coup, il y a eu ça. Donc, du coup, au niveau des VOD, j'ai coupé parfois, de toute façon la VOD, donc du coup de la première VOD de Léon, j'ai coupé du coup la partie où ça avait bugué, vu que de toute façon on avait repris juste après, donc il n'y a rien qui a été vraiment perdu. Par contre la partie avec Claire, en fait il y avait pas loin de 15 minutes où la webcam avait freeze, et j'avais pas fait attention. Donc du coup, y a 15 minutes qui est enlevée de la VOD, mais en fait ça va parce que c'était les 15 minutes vers la fin, donc en vrai ça allait. Théoriquement demain il ne devrait pas y avoir de problème parce que demain j'utiliserai pas le PC, donc du coup il sera allumé que pour le live, donc théoriquement il n'y aura pas de problème demain. On pourra du coup continuer tranquillement Resident Evil 2, mais en tout cas donc du coup ce soir on est parti pour du Secret of Mana. Ce qui n'est pas du tout la bonne OST, hein, faut être honnête. C'est pas du tout le bon jeu. Mais du coup, voilà, on va continuer Secret of Mana tranquillement. Je ne sais plus du tout où est-ce qu'on en était. On venait de récupérer Flammie, je crois. Hein. Ah oui, je me souviens. Alors, du coup, en parlant de Flammie, on va pouvoir l'appeler. Donc oui, je me souviens. On était au Temple des Ténèbres. On avait le Temple des Ténèbres à faire, en fait. Parce qu'en fait, il fallait récupérer Socrate. Et du coup, c'est le temple, il est là. Si j'arrive à stationner correctement, c'est bon. Voilà. Donc du coup, ouais. Donc à la base, on était déjà parti pour le faire. Mais il fallait aller voir Michel. Et en fait... C'est Michel qui nous dit, et au fait, il y a mon pote qui est là-bas. En vrai, c'est parce qu'on veut pas. Bravo. En fait, je voulais savoir combien d'XP on récupère en le tuant, lui. Là, on est à donc 9572. Oui, on gagne 1000 d'XP. Ah ouais. Alors, attendez. On pourrait améliorer Sylphide. Non mais bon, au pire. En fait, on pourrait améliorer Sifiz vite fait. Parce que comme ça au moins. Hop. On gagne 1000 d'XP en tuant un mec. Hop. Et comme ça en même temps on augmente. Et de toute façon c'est entre guillemets gratuit parce que on a juste après un aller-retour à faire avec, avec machin. Avec Flammie. Voilà, hop, suffit de level up. En vrai, si on peut vite fait ce... Comme ça, on a Sifiz niveau 4 quand même. Alors on faisait 200 de dégâts. On en fait 300. Alors non, parce que du coup il va faire armure et du coup c'est chiant. Ah oui mais non. Après je sais pas si ça nous fait quand même gagner de l'XP de faire ça du coup. Ouais, 300 de dégâts maintenant. Ce qui fait que pour les boss, ça va être juste magnifique. Ah oui. Allez, on ramasse ça. Ah oui, mais non. On va faire améliorer Undine aussi. Là, on fait juste un petit peu d'XP vite fait. Allez hop. Nostalgia 37, Métro 37 et peut-être Arthos aussi, si jamais. Voilà. Évidemment, on ne gagne pas de PM. On a gagné un PM. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Est-ce qu'on peut faire ça au pire ? Ah oui d'accord. Foudre c'est pas bien. Et du coup c'est vraiment contre Sifiz quoi. Enfin Sifiz il s'en fiche. Bim bim. Du coup le tambour. On va retourner au village. Repasser tranquillement au point de sauvegarde. Je vais voir aussi s'il n'y a pas des objets qui nous manquent. Et on va pouvoir aller tranquillement. C'est là-bas. Et on va pouvoir aller tranquillement faire le donjon du coup. Le temple des ténèbres. Mais du coup, on aurait déjà les ténèbres en fait, la magie des ténèbres. Là, on n'avait pas tout. Moi, c'était bon. Ok. Est-ce qu'on a... avait déjà pris hein, l'armure magique? L'armure magique. Ouais. Donc on s'était déjà stuffé la dernière fois. Donc du coup, on va faire une petite sauvegarde. Un petit doudou, une petite sauvegarde. Et après, let's gong. Pidim pim pim. Sauvegarde. Oui. Niveau 37. Allez, c'est parti. Pédili, 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 pédili. Alors... je sais plus si c'était par là qu'il fallait aller. Ah oui, il y avait ça. Faut la hache. C'est vrai qu'on pourrait reprendre la hache en arme principale en fait. Pour rien, pour rien. Hop, comme ça, ça c'est fait. Bon, pas par là du coup. Ici. Wait. Ah oui, non mais... Je suis rapide, blung. Et du coup, on arrive ici. Ah, ah mais on a déjà appuyé sur ce bouton-là. Magie mur qui sert à rien quoi. Ok. Là après il y a un escalier. Ah oui d'accord qui nous amène ici. Et là du coup on avait déjà appuyé sur ce bouton là. Ok. Pas un truc de mort. Hein. Please. Micheline. C'est bien, le magie de soin qui fait 400 de soins. Et encore, on l'a pas amélioré. Je crois qu'elle a Undine niveau 4 ou Undine niveau 3. J'ai pas fait attention. Alors. Ah, ouais. Bonjour. Ok, donc ça c'est bon. Oui, oui, d'accord. J'attends que votre animation soit terminée, monsieur. Je ne vous tape pas avant, je suis gentleman quand même, avant tout. Donc ça, d'accord. Il n'y a pas de bouton de ce côté-là. Ah, mur. Pum. Ah oui, non mais... Eh ben, on peut le tuer. Non mais, on peut le tuer au bout d'un moment. Non ? Oui ? Il a disparu. Voilà. Ah oui, là, il y avait le truc du... Ok, ah oui. C'est là qu'il y avait le truc du fouet. On se disait, bah merde, on peut pas y aller parce qu'il n'y a pas de pic de l'autre côté. Ah, mais du coup, faut demander à Micheline de faire remède. Niveau 3, Undine. Ouais, donc du coup, il n'y a pas de truc de l'autre côté. C'est moi où ils sont bloqués, les deux cons, là. C'est moi ou là Bloquer les deux cons, on est bien d'accord. Attendez, on va les débloquer. Bon, on va les débloquer. Bah, ne vous bloquez pas cette fois-ci, ça serait intéressant. Allez. Ah. Bon. Du coup, il faudrait qu'on aille devant. Il faudrait qu'on aille là, en fait. Pour aller là. Il faudrait qu'on aille là. Ben non. Podium, poink. Non, viens avec moi, voilà, c'est mieux. Ouais, c'était là qu'on était, entre guillemets, bloqué parce qu'on se disait, mais merde, faut aller où, quoi. Ok. Ah, H level up. Bon. La H niveau 5. Après, on n'utilise pas beaucoup les charges. Peut-être un mauvais truc. Bon, c'est pas par là. Parce qu'on peut pas aller au centre parce qu'on n'a pas le... Il n'y a pas de plot. Donc c'est pas par ici. Donc faut aller dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on n'a pas activé? D'accord. D'accord. Qui c'est qui m'a envoyé ça? On va soigner un petit coup. De toute façon, on a des noix et en plus, bon, comme ça, ça augmente la magie ondine qui permettra qu'on se soigne mieux. Mais eux, ils donnent quand même 1000 d'XP, quoi. Allez, boum. Bon, où est-ce qu'on n'a pas été, du coup? Là, il y avait un bouton. On l'a fait, d'accord? Pas été. D'accord, là c'est où on était arrivé, mais là du coup c'est une salle à la con. Peut-être par là qu'on n'a pas été en fait. Tout simplement. Pas un mur. Il y a un mur pétable ici. Non. Là, il y a un bouton, mais d'accord. Là, c'est les deux glandus. Oui, on est d'accord. Au revoir. Bon, on va retourner. On va retourner à l'entrée. Parce qu'ils vont m'ennuyer au bout d'un moment. Au pire, on va les tuer. On va en tuer au moins deux. Trois. Ok, donc on arrive ici. Qu'est-ce qui nous manque? On arrive là. Ah ok, là c'est une salle à la con. Mais là c'est de la merde. À bout touchant, blin. Et on s'emmerde dans cette aventure. Bon bah du coup c'est pas par là. Là on a ça. C'est pas de ce côté là, donc c'est de ce côté là, parce que par là on peut rien faire. Là il y a un truc mais on peut pas y avoir accès, donc là c'est fissuré. Je sais pas si vous voyez au-dessus de mon personnage. Là c'est fissuré mais on peut pas y aller non plus. Niveau 38. Nostalgia niveau 38. Hop, Arthos niveau 38. On va aller par là, hein, au fait. Oui, va là-haut, c'est pas grave. Ça, d'accord. Ah, mais il y a une salle là. Ah, yeah. Ouh, yeah. Non, bah, c'est par là qu'il fallait aller. Ah, c'est bon, on a trouvé. Maintenant, on peut se casser. C'est pas par là, Zinedine. Si, c'est par là. C'est escalier. Allez, go. Quelle esquive. Non mais, venez. C'est chiant sinon. Voilà. De toute façon, le boss, on va lui faire encore... 3 sylphides dans la gueule et puis voilà quoi. Sylphide niveau 4 ou du Atanor. Parce que là manque de bol, il nous dit ouais c'est bon, c'est faible à Undine. Là on l'aura bien dans le cul. Pardon, j'étais bloqué contre... Ok, bon. Now we can talk. Est-ce que tu peux te taper, Michel? Voilà. Le fouet de Colocado. Le fouet qui tape plus fort. Ah ouais, un point. Et c'est reparti à l'envers. Maintenant, il faut revenir où on était avant. Pour prendre la porte. Qui s'est ouverte derrière nous. Bientôt dans les hauts là, dans les bacs. On aimerait te défoncer le fion. Merci. Swing, swing. Allez, let's go. C'est pas par là? Si. Allez. La hache. Et ma hache. C'était pas la Zinedine, c'était à côté. J'ai affaire, je suis coincé. Viens là. Non mais pousse-toi. Ok, on continue. Let's go. Y'a quoi par là? Que dalle. Oui, c'est quand même le donjon des ténèbres, donc forcément. Même les plateformes sont de l'ombre. Oh, tu m'ennuies fortement. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit... Avant qu'il fasse mur, s'il vous plaît. Parfait. Donc ça me va très bien, c'est bon. Ah. Ouh. Voilà, très bien. Il manque plus que lui. On est ici. Oui. On va faire un petit peu de... Voilà. Des petits détours, voir un petit peu ce qu'il y a, quoi. Paf! Ouais, viens là. Ah oui, déjà! Enfin, déjà. Pas vraiment déjà, mais oui. Déjà le boss. Et oui, je me souviens. Enfin, je me souviens. Pas tout. Immondice, l'immondice. 3000 PV. XP 8000. Total 3000 PV. Craint Atanor. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. De temps en temps on tape un petit peu. On fait quand même, ouais, on fait quand même 101 en tapant quoi. Par contre la console qui est au bout de sa vie, vous voyez les glitches visuels. Ah, on a Undine niveau 4, ok. Tac, 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 tac. Ouais, sur elle. Ah, c'est sur moi là cette fois-ci. Elle fait 600 de soins, Micheline. Ah. Je veux juste savoir combien il est de PV. Plus que 1000 PV. Parce que 1000 PV, on peut se les faire comme ça, je pense, ça va, non? Ça va, si on fait 100, si on fait 100 dégâts par truc, c'est bon. Ça va aller vite. Ah, par contre, Micheline... On pourra pas le faire tout de suite, donc ça va pas se faire. Vague noire. Mais vague noire, c'est... Oui, pareil. Donc 80. On va refaire un petit coup de soin. Pouet, 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 pouet. Ah bah voilà. On l'a eu. Comme ça on a économisé des noix. On a économisé 500 balles. En tout. Bravo! Ah, pas de sphère. Ah si. Sphère du javelot. Ah bah oui! Je suis l'esprit des ombres et un élément de mana. Peu ont réussi à vaincre mes serviteurs, et en récompense prends ma magie. Ce qui fait que Ombre, c'est pas quelqu'un qu'on doit secourir. C'est un mec qui a dit bah c'est bon, t'as passé mes épreuves, let's gong. Ah, cette musique. Et donc... Ah, on n'a pas encore. On l'aura après. Bah... On devait pas secourir Michel et Michel? Oh non, il n'y a plus la musique. Il n'y a plus la belle musique, non. Bah du coup on a tout fait, hein. On a tout exploré. Cassons-nous donc. Donc maintenant, il faut qu'on monte. Parce que souvenez-vous, normalement on devait retrouver Michel. Il s'appelle pas Michel, mais j'ai plus son nom. Socrate, voilà, on devait retrouver Socrate. Et du coup on a retrouvé... On a rempli le truc, on n'a pas retrouvé Socrate, mais on a trouvé Ombre. Bonjour. Please. Voilà. Après, je crois qu'en vrai, j'aurais peut-être pu monter avec Flammie. Mais bon. Par contre, faudrait... Merci. On va le tuer quand même. 39. Ah bah oui, parce que Michel nous a donné quand même 3000 points d'expérience. C'est quand même pas rien. Donc on va passer déjà tous niveau 39. Please. Voilà. En plus, ce que j'aime bien vraiment avec Secret of Mana, c'est que les ennemis donnent un nombre fixe d'XP. Donc en fait, il n'y a pas de notion comme il y a beaucoup dans certains JRPG où le nombre d'XP diminue. Là non, le nombre d'XP il est fixe et du coup ça fait que bah oui on peut comme ça XP à mort. Quand on a comme là des ennemis qui donnent 1000 points d'XP, bah en vrai tu les tues quasiment 10 fois et c'est bon, t'as déjà 10 000 quoi. Là c'est Michel quoi. Allez. Où est Socrate? Un sage Socrate est allé à l'île Dorée. En partant d'ici, elle est située au nord-est. Ok, let's gong. Let's go to l'île Dorée. Au nord-est, c'est ça? J'ai pas écouté, pas écouté. Ah oui, c'est vrai. Scan en cours. Veuillez patienter. Ah bah c'est là alors du coup. Crois pas. Ah donc la terre est ronde. Ah nous revoilà. Donc c'est au sud-est alors. Voilà c'est mieux. Pélé pélé pélé. Pourquoi ils sont en mode combat eux? Mais... Swing. Je tourne around. Je suis Marin, le gardien de ce phare. Au nord-est, il y a un récif de coraux. Dessous correspond un continent englouti. C'est le palais Mana qui servira à émerger le continent. La force des anciens a dû être incommensurable. Ah mais on n'est pas à l'île Dorée? Je cherche Julien. Cassons-nous, c'est pas là, c'est pas par ici. Ah mais j'ai pas écouté, il a dit nord-est ou sud-est, je sais plus... Qu'on visite quoi. Je reveux le scan de la map. Donc du coup on est là-bas. Ah non on est là. Qu'est-ce qu'on branle ici? Parce que l'île Dorée c'est soit celle qu'il y a au nord, la grosse île qu'il y a là, ou soit celle-là. Bah admettons c'est la grosse île qu'il y a là. On va aller là. Nord. Ouais, si, oui. Je passe à côté à chaque fois. Ah non, c'est là. C'est pas là. Ah si, c'est sans doute là. Ça a l'air d'être bien. Je suis où là, monsieur? Monsieur, c'est Oriafa, la ville de l'Empire. Pour vivre ici, il faut être riche. Je cherche l'île dorée. Ouh, le roi Midas a-t-il trouvé tout cet or? Et bien évidemment, en touchant tout ce qu'il trouve. Ah oui, d'accord. C'est une île de Richou, Oh, Vulc! Comme cet endroit a été utilisé, eh bien... Mais bon, quelle arme est prête? Le gant. Le javelotte. Et c'est tout. Donc du coup, bah, ça a l'air d'être l'île dorée, c'est très doré ici, non? Cette île croule sous le poids de l'or. D'ailleurs, beaucoup de gens ont déjà émigré à Polaria. Ah, des objets. Ah non, acheter des trucs. Et ce sera acheté, évidemment. Bon, on va hypothéquer notre maison. Pourquoi le casque canard, ça coûte plus cher que le casque dragon? Comment ça? Quel est l'intérêt d'avoir ça? Bref. Bon bah du coup, 1, 2, 3... 1, 2, 3. Et on n'a plus de pognon. Autre chose? J'aimerais te vendre... Bah du coup on va te vendre ça déjà. On va te vendre ça du coup. Voilà. Alors du coup on va t'acheter... Au pire on va que acheter des casques dragons. Au pire, ça sera pas non plus quelque chose de fou, le truc canard, quoi. Ah oui. On passe du coup à 66, oui, d'accord. Ok. D'accord, oui, non, bah, très bien, très bien, très bien. Ok. Je sais pas si on est dans la bonne ville vraiment, mais là, on se stuff comme jaja. Mais si on l'a, Ombre. Je l'avais pas trouvé. Ah mais c'est peut-être que Ah oui, je me souviens du délire. Oui, je me souviens du délire. Il y a que... Mince. Ah, voilà. Il y a que lui qui a Ombre. Vague noire, stop magie et force sombre. Il faudra qu'on l'augmente. Hein. Il faudra qu'on augmente sa magie. Là-bas, c'est la tour dorée. Mon entrée est interdite. Bah ça tombe bien, parce que j'en ai besoin d'y aller. Ah mais c'est Vulc ici. Désolé Vulc. Désolé Vulc. J'aimerais aller à une belle auberge. Bon, Midas vit ici. Premier étage est un hôtel. Let's go. 200 balles, bon, c'est donné. Par contre, du coup... T'as 130 points d'armure. Et du coup, allons à la tour dorée, alors. C'est fermé. Eh ben, allons pas à la tour dorée, alors. Faut peut-être pas qu'on y aille tout de suite. Ok, bah, j'appelle mon gros dragon. Oh mon dieu. Ah, du coup, c'est où qu'il faut aller? Ah, mais c'est le continent englouti ici. Mais quoi ici? Je crois qu'on a rien à foutre là. On ne peut pas bouger. Quelque chose nous repousse. Voilà. On n'a pas besoin d'aller là. Alors... Après, le roi Midas était à l'étage, donc peut-être qu'il fallait aller voir le roi Midas. À la recherche de l'île. Oui, on peut voler plus haut pour voir plus loin. Voir non mais là c'est le café, à moins qu'il y ait quelqu'un à l'étage. On n'a pas fouillé le café. Je suis verte. Tout le monde est parti sur la côte au nord. Mais non, tu n'es pas verte. Ou alors c'est mon nom, je m'appelle Verte. Et voici mon coéquipier Bleu. Allons voir le roi Midas, du coup. Il pourra nous faire des prix sur les pneus. Ça petit. De l'or? En même temps, tu vis dans un truc d'or, alors... Ah. Pour moi, l'île dorée, c'est là, hein, de toute façon. Ça semble sous le sens. Voici donc l'endroit le plus riche du monde. Argent, argent, c'est tout à moi. D'accord. Avec Mana, les alchimistes chantent les pierres en or. Tout d'abord, il te faudra apprendre la chimie. Oui, et après, du coup, on peut faire réanimer des gens, mais en fait, on perd des bras et tout ça, quoi. Oui, je connais. On peut même mettre des gens dans des armures. Bon, du coup, j'aime les cacahuètes, oui, mais... Mais quel est le rapport, hein? Très joli tour de muraille, hein, vraiment... Midas a scellé le palais de lumière aux confins de la cité. Un espion subtilisera la clé de la tour. On l'apprendra à Sudia. Mais la clé avait disparu. Que referme cette tour? On doit aller à Sudia? Sudia, let's go! Parce que si on l'a appréhendé à Sudia, il faut qu'on aille à Sudia. Et Sudia, c'est où? Non, là c'est Pandore ici. Oui, là c'est Pandore, vous reconnaissez, hein. Sudia, c'est où? Là on a Bollé. Oh oui, Bollé c'est là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est où là? On est où ici? Plus personne n'entre. Au revoir. À la recherche de Sudia. C'est quoi ici? C'est pas là à mon avis. Ah oui, c'est pas là du tout. Juste pour le fun. Zblah. Donc c'est pas là. Et là c'est Gaïa, donc c'est pas là du tout. Donc là on est Pandore et tout ça, donc ça peut pas être ici. Pour retrouver une ville de l'Empire. C'est quoi là? Je ne ferai rien ici. Il n'y a rien sur saisir la part des queues de lièvres de mer. Eh, tu en veux une? Je la mets dans ma poche. Pardon? Ok. Aïe! Ils sont tous bourrés. J'ai pas compris. Bon, à la recherche de Sudia. Regardons la map. Ah oui, c'est la fameuse petite île, ok. Donc là, c'est tout ce qui est royaume de Monsby. Là, c'est Bollé. Là, c'est Kakkara. Là, c'est Polaria. Ça serait ici qu'il faudrait qu'on aille. Ça ressemble un peu à la France et l'Espagne, non? Donc on est là. Donc si on fait Est... Les petites îles nord. Donc, est. C'était pas est et ouest, connard. Ah, dodo. Ouest. Les petites îles. Voilà. Nord. Ah, on a été un peu trop loin. Bingo. Anna m'a donné un bonbon. On en aura plus si je vais l'avoir aux ruines. Alors du coup faut savoir le truc au niveau... Ah, j'étais si inquiète. Il faut tenir jusqu'à ce que l'Empire parle de paix. Ne sois pas inquiet. Avec le temps, Anna guérira. La base de la résistance est bien dissimulée. La guerre ne peut pas être un jeu. Allons, en route. Là, on n'a pas eu d'adolescence. Oui, non, ça d'accord. Pourquoi surgir il y a 15 ans? Comme ça, on l'a déjà vu, ça. Le mec nous a dit, il y a un gars à Sudia qui a été interpellé pour la clé. Mais la clé avait disparu. Ah, tu as vu ma femme? Elle est bizarre en ce moment. T'appelles les ragnagnas et ça te regarde pas. Pas si vous avez affaire au château. Ah mais peut-être qu'on peut y aller maintenant. Pas encore. Ah mais c'est pas quand on aura le maillet où je confonds le jeu. Parce que c'est pas la... Si c'est ça, y a pas un moment donné où on va avoir un maillet. Je crois. Et du coup pourquoi je dois aller là en vrai? Pourquoi l'empereur veut-il dominer le monde? Je crains pour ma famille. Moi aussi, hein, je comprends pas beaucoup. Hein. Nous allons bientôt trouver les QG de la résistance. Oui, ça fait 3 fois que j'y vais. Non mais les ruines, on y a déjà été. Faut aller où maintenant qu'on a été voir Socrate? Il nous dit d'aller à l'île dorée, mais l'île dorée on peut pas aller au machin parce que du coup il nous faut une clé de Monsby. Clé de Monsby, la clé de Monsby, la clé de Monsby. La clé de Monsby bobinet. Bon, oui, je pète un câble. Sous le corail au sud, quelque chose est caché. Mais ça nous fait 2 fois qu'on nous le dit. Est-ce qu'il faut qu'on aille au corail au sud? Allons voir le corail sud alors. Ah oui, bah ça on sait. Et le continent englouti. On peut pas atterrir au château directement? C'est non. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, c'est les ruines, ok, d'accord. Bon. Bah essayons de retourner à l'île dorée alors. Parce que je voulais. Et on retourne voir Midas. Argent, argent, et c'est tout à moi. Voici l'endroit le plus riche du monde. Ah oui. Ok. On pourrait lui dire tout simplement, Michel, on a besoin d'aller à la tour. Allô Morin. Ah non, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon jeu. Là-bas, c'est la tour dorée. Son entrée est interdite. Oui. Cette île est en or massif. Massif, l'or. Autre chose? C'est legit l'île au trésor, quoi. Avoir fait ça. Cette île croule sous le poids de l'or. D'ailleurs, beaucoup de gens ont déjà émigré à Polaria. Ah, mais peut-être que un des émigrés à Polaria pourrait nous en dire plus. En vrai. Ah, c'est pas le bon endroit. Voilà. Il y a un Flammie qui vole. Est-ce qu'on va se faire plus shooter qu'avant? Toujours le même. Je me demandais si c'était s'il proposait autre chose, mais non. Oh, merci, oui. On s'est planté d'endroit d'atterrissage, donc... Avec maintenant, du coup, on esquive un peu tout. Ouais, c'est là en fait. Est-ce que, vite fait, si on peut avoir pas mal d'ennemis, ça serait cool. En fait, quitte à... C'est pas le bon bouton. Je suis trompé de bouton. Il va encore me tromper de bouton. Quitte à être là, autant en profiter pour XP un peu la magie quoi. C'est rentable, il y a au moins deux ennemis. Ah, il est mort donc. Ça fait combien du coup là? 54. Bon, c'est déjà ça. Alors... Passons vite fait à l'auberge. Ça coûte que 50 balles. Hein. Bon, du coup... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de machin? J'ai faim, d'accord. C'est le mot Dodo. Ah mais c'est pas Polaria? Chose insoutenable. Mais Polaria c'est le continent. Paradis caché dans la forêt de cristal. On a Vulc qui est ici. Il y a un bonhomme étrange dans la forêt givrale. Merci Micheline. Bon bah c'est pas ici alors. Cassons-nous, cassons-nous, cassons-nous. Du coup, c'est pas ici. Et si on y avait été, c'est le phare. Bah alors là il y a un problème. Bon. Vu qu'on va pas chercher pendant 1000 ans. Eh ben j'avais raison. Un homme vous dira que il a été appréhendé à Sudia. Bah du coup il faut y aller. Voler vers Sudia et récupérer la clé. Mais on y a été. Il y avait personne. Il y avait personne qui avait la clé. Alors, on me trompait quand même. Ah, on a été à Nordia. Ah, on a été à Nordia et pas à Sudia. Ça, c'est Nordia. Sudia, c'est là-bas. Ah ouais, c'est là, Sudia. D'accord, ok. On a son époux et mon mari est en train de voler une clé sur l'île dorée. Elle est ici, je l'ai trouvée dans ses affaires. Je l'échange avec plaisir contre mon mari. Voilà, elle est à vous. C'est ma revanche. Ah bah oui. En fait, je pensais que Nordia et Sudia étaient collés, mais en fait, pas du tout. Ils sont à 500 km de distance, quoi. Donc je me dis, bah c'est bon, on est au bon endroit, mais non. Donc c'est parti, allons-y, let's go. Alors, elle est où? Là, on a machin qui est là. On a qui est là. Elle est là. Elle est là, elle est là, la 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 la. Allez, on a la clé, let's go, c'est parti, on y va, go. Allez, c'est parti. Alors, par contre, on est à 20 000. Ouais, ça coûte. D'accord, donc ils sont immunisés contre Ombra, donc ça sera pas Ombra qu'il faudra utiliser. Ok, donc on était à 20 000. Ben on fait 1000 par ennemi. Ah bah ça tombe bien. On se fait 1000 par ennemi en fait du coup. Bon, bah on va aller voir Vulc pour améliorer la lance. Puis on va aller à l'auberge. Ça, moi, je peux rééquiper ma lance. Petit 85 de dégâts. Ça va coûter 200 balles, mais c'est pas grave quoi. Comme ça, on sera fin prêt pour y aller. On aura tous nos PM. Mais là, du coup, ouais. Bon, Sifiz niveau 4, c'est bon. Atanor niveau 4, c'est bon aussi. Après là, Ombra, ça servira strictement à rien de l'améliorer, étant donné que les ennemis ont l'air d'être immunisés à Ombra, donc On verra le bon moment pour la up de toute façon. Ah, c'est un Annie zombie. Voilà. Ah, bah non, toi, on t'a vu, hein, en fait, hein. Oh. Ah, oh, bah, dis donc. Il va y avoir que des ennemis chiants en fait, c'est ça? Ok. Micheline est pas mal hein, là. Le petit coup à 300 là. En fait, on va passer niveau... Ouais, niveau 40, parce que... Si eux, ils nous donnent 1000 à chaque fois... J'ai rien dit. Ok. Alors, Sifiz. J'ai pas vu son nom de point de vue. 9000 d'XP. Ah, on sait pas. En 14. Bah comme on veut. Petit coup de Sylphide au pire. Ah, boule de feu niveau 6. Mais ça c'est pas du jeu Michel, d'attaquer toujours le même. Ah putain mais il a été soigné avant de mourir. Bah dis donc. Je savais même pas que c'était possible. Je vais tester un truc. Et s'il fait des attaques de feu? D'accord, non pas du tout. Bon bah let's go. En fait, il va être un peu chiant parce qu'il va être long à faire. Non mais c'est... Je veux Micheline, donne-moi Micheline. Petit pompe. J'avais pas vu. J'avais point vu. Mais fais ton attaque foudre, bordel! Hop. Et toujours... Toujours knock down. Non, c'est bon. Ah bah voilà. C'est bon. Il a plus de tête par contre. Ah non, c'est pas bon. Pourquoi j'ai ça de sélectionner? Bah il a explosé mais c'était pas... Ah mais là, ça va pas marcher. Ah si. Okay. Là c'est bon. Je sais pas pourquoi il a explosé mais il a rien fait. Bravo! Je vais faire du boomerang. Bon après on l'utilise pas tant que ça le boomerang, c'est pas trop grave. Bon d'accord, on va aller voir Vulc. Bonjour. Tayo. Non, c'est pas le même jeu. Voilà, très bien, merci Micheline. Merci. Oui. Ah oui, non, mais ça va être chiant s'il se multiplie. Ah bon? Putain, j'étais en train de me dire ça. J'ai une impression de déjà vu. Tu crains un Sifiz? Oh my! Oh my, les 400 de dégâts! Oh bah lui il va aller vite lui! Par contre, Micheline. Fais un petit soin s'il te plaît. Pas d'ennemis sélectionnés. Okay. Ah. Ça va, c'est bon, ça va. On va faire ça du coup. Micheline. Micheline à la rescousse. Mais bon. Bon, en théorie, il devrait bientôt mourir. Il avait quoi, 3000 ou 4000 PV? Peut-être mal lu encore. Et bah voilà. Ah ouais, donc du coup si on va aller voir Vulc, parce que si on a 350 sphères, ça va être waouh. Ouais, on a la sphère de l'arc. Lumina. Je suis Lumina. Le roi avait subtilisé ma magie. Il me forçait à faire de l'or. Tout seul. Toi seul peux utiliser mes pouvoirs. Agis vite avant que le mal ne nous détruise. La magie de Lumina. Eh oui. Et donc maintenant, en fait, Lumina, c'est la fille qui peut l'utiliser. Donc sabre lumen, rayon pur et mur clair. Mur clair qui est comme ce qu'utilisaient les autres, je crois. Ah mais on peut avoir les trucs de toute façon. Pureté qui frappe les ennemis et protège les attaques d'armes. Mur clair, voilà, ça, c'est un mur de anti-physique. Non pas anti-magie, mais anti-physique. Et du coup, Michel... Énergie ennemie explose et jauge ennemi à 0 de magie. Ah oui, ça c'est intéressant, le stop magie, même pour les boss, hein. Ah ouais, jauge ennemi à 0 de magie. Ah oui, donc en fait, les boss, tu mets ça et c'est fini. Ok. Bah, j'allais dire que oui, cassons-nous, du coup. À moins qu'il y ait des choses... Bah non, hein. Bah du coup, allons voir Vulc. Bah du coup, on n'a toujours pas voilà, retrouvé Socrate, donc il faut qu'on retourne au mont machin, parce que Michel nous a dit de la merde. Alors, la hache. L'arc. Et le boomerang. Du coup, tambour. Et là, du coup, va falloir retourner. Retourner voir machin. Alors, on est où là? Donc, sud. Alors, je regarde la carte en même temps. Sud et est. Arrivé à peu près au milieu. C'est pas le bon côté. Ah non, si c'est là. Si c'est là en fait. Alors là, je me suis pas trompé en regardant la carte, c'est juste que on n'était pas au bon endroit. Non, c'est pas là. C'est là. Je me disais, on pourrait, mais non. Est-ce que tu peux... J'avais encore des... Ah non, j'avais plus de PM. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas... C'est vrai qu'on n'a pas été se restaurer. Après on a encore des noix mais bon. C'est un peu chiant, oui. Voilà, on va arriver là-bas du coup. Ça me ferait chier qu'il y a un... un autre combat de boss. Bah après on a encore des noix mais bon. Comme je disais ouais ça va faire 500 balles. Bon après. Après on est remboursé parce que un boss ça va nous donner peut-être 2000 à 3000 balles. Donc en vrai. Si on a une noix utilisée, c'est pas ça qui va nous embêter quoi. Et salut Tetsuo. Eh oui. Secret of Mana. Disparaissez, le sage est absent. Surprenant. Je sache, Socrate est allé au palais de la lune, qui flotte dans la mer des merveilles, au bout de Kakkara. Allez, ben allons-y, allons là-bas. Et du coup, on va avoir... On va avoir Luna, déjà. Mais bordel, j'ai l'impression... On va vite. Kakkara donc, Kakkara let's go to Kakkara. Kakkara qui est... On va voler un peu plus. Le désert de Kakkara. Là c'est Polaria. C'est là. Kakkara c'est ici. Bon. On va déjà faire un stop à Kakkara. Bonjour. On est déjà passé à l'auberge. 50 pièces d'or. Oh, je peux les donner, j'ai les moyens. Après, il a dit c'était au large de Kakkara. Bon, faut qu'on fasse le tour. Le roi homard? C'est la queue d'un lièvre de mer. Hurrah! Ah oui! C'était pour eux! Ah oui, oui, mais c'est normal. De l'eau! De l'eau! Nous sommes sauvés! En remerciement, je t'offre cette ceinture! D'accord. Alors, je suppose que ça va un intérêt quelque part. Ah, j'ai pas mis la manette sur l'overlay. Oh bah tant pis. À chaque fois j'oublie. C'est fou. Je vais me mettre un raccourci. Bon, ils ont de l'eau. Génial. Ah, les musiques. Fabuleuses. Ah, c'est pas là. C'est non. C'est pas là. Le palais de la lune. C'est pas ici. C'est non. Bon, on va regarder la map du coup. Le palais de la lune. Ah si, c'est là. Mais bordel, le jeu. Tu m'ennuies. C'est là. Lise. On avait bien trouvé que c'était là. Ah. Bonjour. Bienvenue au Féerie de Jojo. Prochain arrêt, le Palais Lune. Ce palais est bizarre, ne t'y perds pas. Le bateau est un peu stable. Et peu stable. Ah, cette musique aussi. Je t'attends ici. Bonjour. Est-ce que... Ah bah. Ça fait un peu de dégâts quand même. Pourquoi cette musique? Ceci mérite la contemplation. C'est la musique de Pandore en plus, ça. Ah oui. Je comprends le concept, du coup. Bah, pendant ce temps-là, un petit coup de Sifiz. Lumina, sa magie agira. Alors, Micheline, Lumina sur la sphère cristal. Ou sur les deux, tiens, au fait. Tant qu'on y est. Ah, wow, pardon. C'était tout? Moi, Luna, esprit de la lune, je vous attendais. Quel endroit sinistre. Mais assez. Prenez ma magie, partez, Mana se meurt. Et nous allons à la magie de Luna. Là, tu sens que les mecs se sont dit, bon, c'est vendredi soir, on se barre. C'est bon, y a pas de boss, rien à foutre. Donc nous avons la magie de Luna avec sabre lunaire, lance attaque et énergie lunaire. Et du coup, lui aussi il l'a avec changement. La pompe magie, hyper intéressant. Ça prend 1 PM. Et la magie lunaire. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lire ce que c'est. Alors, niveau affaibli de l'ennemi. Ah oui, ça réduit le niveau de l'ennemi. Magie lunaire, toi ennemi, comportement bizarre. Ouais, non. Et du coup, elle a... Ah oui! Ça c'est bien. Sabre lunaire, en fait, quand on tape... Alors, une fois qu'on a mis les trucs, quand on tape, les armes peuvent nous rendre des PV. Ils pompent les PV. Élève la force de combat, lance attaque, et élève le montant de coups critiques. Ah oui, les magies de Luna, c'est cheaté. J'avais oublié. En fait, là, on va arriver sur les magies cheatées. Les magies de Luna sont cheatées, et la magie de... la... le truc d'après... c'est cheaté aussi. Donc par exemple, changement, ouais, on va essayer de le faire. On va peut-être pas faire lancer attaque. Non, on va tester du coup changement avec lui. Voilà. Ça les transforme en fait en ennemis moins forts. Et hop. 12 PM comme ça gratos. Enfin, 11 parce qu'on en a consommé un pour... voilà. Bah ça tombe bien de m'avoir sélectionné, j'ai pas de PM. Oui, sélectionnez-moi, y a aucun problème. Ah, ça par contre, non. Hop. Donc on en a même pas récupéré un. Bon, on a voulu jouer, on a perdu. Parce que du coup... ah oui, lui, il a plus rien, quoi, du coup. Tu pars déjà? Bah oui, on a tout récupéré. Bah d'ailleurs, on aurait pu partir au... la Flammie, en fait. Je pense. Au plaisir. Bah du coup, let's gong. Tu ne peux pas appeler la famille ici, d'accord. D'accord. Bon, en vrai, cassons-nous. Alors, du coup... Là, dans l'idée, ce que j'aimerais faire, au pire, ça serait retourner là, mais retourner au village. Retourner au village pour retourner du coup aller acheter des noix. Allez sauvegarder. Le truc c'est que ça fait 1h47 de VOD. Et je sais pas si on aura accès à un point de sauvegarde après. Ouais, 150 PO. Quand même pas y aller à pied, non? Bon. En fait, on peut pas aller... Là, c'est où, là? Il y a rien à dire. Là, ce truc-là soit pas... Ah bah du coup faut vraiment se taper tout à pied, c'est chiant. Faut se retaper à chaque fois le truc à pied. Bon au moins on gagne des niveaux au fur et à mesure, mais bon. Voilà. Allez, poum. C'est l'épée qu'on n'a pas encore améliorée. Il manque la sphère de l'épée. Please. Faudra voir comment on va les améliorer ces magies là. Du coup, il me faut le fouet. Pour ça, je pouvais la laisser en bas parce que je savais qu'elle allait remonter. Ah oui, le fameux chacha qui apparaît une fois sur 1000. Alors regarde, c'est possible que ce soit ce chacha là qui est bugué. Et comme je vous disais, il y a un des chachas qui est bugué. Et je sais plus c'est lequel qu'on avait sauvegardé, donc... Disparaissez, le sage est absent. Quelle poisse! Le sage Socrate est parti à Trasnica. La République à l'ouest de... À Trasnica. Eh ben allons à Trasnica du coup. J'ai l'impression d'être un peu mené en bateau. Tu trouves? Ça me fait penser à l'imitation de Benzaï quand il jouait à Pokémon. Tu trouves pas, Pikachu? J'ai pas écouté. Et j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Trasnica. On est où? On est là. Non mais j'ai pas écouté. Ah ok, c'est la petite île qu'on avait été. C'est la petite île qu'on avait été. Par contre, c'était où? Merde, c'était où? C'est une île à la con qu'on était arrivé. Et c'était où? Là on est... On est... C'était où? Non mais le problème c'est qu'il faut vraiment que je me dise... C'est là, là vraiment... Je retiens pas où il faut aller à chaque fois. Où est-ce qu'on avait vu ce truc là ? Ah, je crois que je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé. J'aimerais changer de vue. On est où là? Ok, il y a cette île là, c'est par là du coup. C'est là. Souvenez-vous, c'est le château de Trasnica. Ah, Jean, métro. Je ne t'avais pas reconnu. Que se passe-t-il? Un espion impérial est dans le château. Gare, il cherche le roi. Ah, ces impériaux. Bonjour. Où est l'espion? Où est l'espion? En mode, je me balade avant, ça va. L'espion n'est pas ici. Oh, l'espion! Vous êtes tous cons en fait. On va voir le roi, hein. Bonjour. Qui êtes-vous? Oh, sûrement des espions. Hé, une minute. Silence, espions. Emmenez-les. Attendez. Ceci n'est pas le roi. Prétendant être roi, j'aurais pu ruiner ce royaume. Mais j'ai échoué. Prenez ceci. Qu'as-tu fait? Ils sont probablement à l'entrée du château. Je crois que par toi, je vais détruire le roi. J'y crois très fort. Bah, du coup, Micheline. Ouais, mais on va le tuer, donc... Voilà. Chocolat, tu en as trop. Si, ressaisissez-vous. Où suis-je? Je n'y crois pas. Cela ne peut pas arriver. J'ai eu peur quand j'ai su qu'un gosse détenait l'épée. Mais maintenant... permets, je te donne ceci. Ok. Tu as beaucoup appris, mais ce n'est pas fini. Tu dois savoir ce qu'est le vrai courage. Si l'Empire devient si agressif, c'est qu'il est prêt à investir le fort. Il investit moult pognon d'ailleurs. Peu importe où, je vais affronter l'Empire. Va retrouver Socrate. De lui, tu apprendras la vraie valeur du courage. Bah du coup, c'est... Il me demande de faire les tours de la planète. Un genre étudie la force mana. Très bien. Ok. Et moi j'aime cueillir des pâquerettes. Chacun ses goûts. Y'a rien de fou ici. Ah, y'a que de lit. Ah bah donc, y'a du monde ici. Ah, tu es au cœur du château. Ah, ça s'appelle un mur, ok. Non. Prêtez tous attention, c'est le chevalier Mana. Enfin, c'est celui de derrière, moi je suis le chevalier à la lance. Moi. Donc du coup... On doit retourner voir Socrate. Y avait Vulc au village ou pas? Y avait Vulc au village. Y avait Vulc au village ou pas? Il est où le village là? Là. Je me souviens plus s'il y avait Vulc. Mais... Parler d'une grimpe. Du grimpette, pardon. Ah bon, quelle arme est prête? L'épée. Et du coup maintenant elle tape à combien l'épée? Que j'utilise pas d'ailleurs. 83. Elle doit faire quoi? 10 points de dégâts de plus? Ça fait combien de temps? Ça fait 2 heures de VOD. Bah ça tombe bien, on va aller à l'auberge, on va sauvegarder et on va du coup s'arrêter là pour se souir. Tranquillement. Bah du coup, théoriquement, la prochaine fois on va voir Socrate. Je pense qu'on n'est pas loin du palais souterrain qui est le donjon dont je parlais, qui a un chacha qui crache. Je parle pas de l'eau, hein, je parle du fait crashait le jeu. Donc faudra faire très attention. Peut-être que on fera des safe states à la place. J'expliquerai un petit peu, je réexpliquerai ça si on arrive vraiment au palais souterrain. Au lieu de sauvegarder un chacha, on fera des safe states. Parce que y a un des chachas, on va dire, qui fait bugger. Donc du coup, je préfère qu'on soit tranquille et qu'on n'ait pas de problème de loading. Après, vu qu'on fait 3 sauvegardes, on devrait avoir moins de problèmes. Mais bon, on fera peut-être des save states à la place. Je baille. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube Metroid02, à vous abonner au compte Twitter Metroid02 Stream pour avoir toutes les dernières informations liées au stream. Et évidemment à follow la chaîne Twitch pour être également notifié des lancements de live. Nous, on se retrouve donc demain 20h30 pour du Resident Evil 2 Remake où on va continuer le scénario de Claire. Enfin le scénario bis du coup de Claire. Comme je le disais, hein, ils ont mal nommé, c'est pas bis, c'est suite qu'ils auraient dû l'appeler, pas bis, ils auraient dû l'appeler suite, mais bon. Mais je suppose que c'est, enfin, c'est même pas alternatif, parce que c'est pendant le même temps que Léon, donc bref. Donc du coup, le scénario de Claire, on continuera ça tranquillement demain. Normalement, il devrait pas y avoir de plantage lié à Nvidia Broadcast, parce que bon, théoriquement l'ordinateur je vais très peu l'utiliser demain et de toute façon j'essaierai de redémarrer, et en plus j'ai remis un peu la carte graphique dans les configurations d'origine, et en plus j'ai remis le mode performance, et en plus on a baissé légèrement la qualité graphique, mais vraiment légèrement, pour juste lever un peu le pied au niveau de la carte graphique, parce que c'est la carte graphique qui génère, on va dire, le fond vert. Il n'y a pas de fond vert, hein, en vrai, hein, y a pas de fond vert. Donc c'est la carte graphique qui le génère, et donc du coup forcément, si on demande un peu trop, il y a tout qui se pète la gueule. Sur ce, passez une agréable soirée, moi je vous dis à demain, 20h30 pour du Resident Evil 2. Allez, ciao!